Cette année, j'ai entraîné les moins de 13 et moins de 15 garçons. Donc, les moins de 13 qui étaient composés de deux équipes. Une moins de 13 qui a joué en région et une autre en départemental. J'ai pour objectif de leur faire apprendre ce qu'est la compétition et de leur faire acquérir le plus de compétences possible pour qu'ils puissent jouer le mieux possible et donc se faire plaisir. Voilà. Au niveau des moins de 15, c'est un travail qui est dans la continuité. Les moins de 15, c'est différent cette année parce qu'ils étaient composés de joueurs. C'était un groupe très hétérogène, des joueurs qui débutaient et 3 ou 4 joueurs qui jouaient depuis 4-5 ans. Et c'est trouver un système de formation qui puisse leur faire plaisir. On est un peu plus dans le ludique pour certains que dans la compétition. Une saison sympa avec des débutants, donc beaucoup de choses à apprendre, à leur faire apprendre, et du plaisir essentiellement. C'est une passion, c'est de s'amuser, prendre du plaisir, c'est de créer un groupe, c'est les changer de leur contexte habituel entre la maison et l'école. C'est dans la vie associative et prendre essentiellement du plaisir avec le groupe. J'ai commencé le hand à 7 ans, donc ça fait 18 ans que je pratique le handball. J'essaye de leur transmettre ce que je sais du handball, ce que j'ai vécu, puis l'envie aussi de jouer. Ce qui m'intéresse en priorité, c'est le contact avec les jeunes, les connaître un peu mieux, les faire évoluer, que ce soit sportivement, au niveau mental, leur relation avec les autres, les aider à mieux vivre en société et à devenir de meilleurs handballeurs aussi. Alors la question de qu'est-ce qu'on transmet, alors évidemment on essaie de leur apprendre à jouer handball, donc c'est déjà pas mal s'ils progressent dans l'activité handball, mais le plus important c'est que chacun trouve sa place, parce qu'il n'y a pas que le handball, sur les 12 ou 13 enfants, jeunes, dont je peux m'occuper toute la semaine, il y en a qui arbitrent tous les week-ends les plus jeunes. Il y en a qui s'occupent des plus petits, de l'école de handball dans les clubs à Sauville par exemple. Il n'y a pas que le jouer handball, il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Donc l'objectif c'est vraiment ça, c'est que chacun trouve sa place. Très souvent on ne sera pas tous champions du monde, par contre on peut tous s'investir un peu à gauche à droite, comme dirigeant, entraîneur, n'importe.